moi je suis Cyril Paris et je suis le co-auteur de Les Petites Ceintures que j'ai écrit avec. Avec Jules Citruc, enchanté. Donc voilà, on a écrit Les Petites Ceintures qu'on est venu présenter et travailler ici, qui est une comédie familiale sous forme de road trip. Et qu'on adore traduire comme Little Miss Sunshine rencontre Karate Kid. Alors, depuis le début, nous avons déjà bien avancé dans notre travail. Nous avons échangé avec Marcel Beaulieu déjà, Pierre Hodgson, Pascal Rey, bien sûr. Et on a eu un formidable Skype avec Maggie Sobrel. Ainsi qu'un petit exercice de pitch très intéressant avec Claire Barré. Ouais. Ça fait beaucoup, non? Déjà, ouais. C'est très abreuvant, c'est très productif. On a déjà mille et une idées pour s'y remettre. On attend chaque seconde où on est off pour se replonger dans notre scénario. C'est formidable. Qu'est-ce que ça voudrait dire si jamais on mange trop dramaturgiquement et qu'à force de tout écouter comme ça, on a un scénario qui est trop gros et qui n'arrive plus à se déplacer? Alors, moi, je connaissais moins bien que Jules les enseignements ici ainsi que les consultants. Jules étant déjà venu comme invité, il avait déjà eu la chance de parler, ouais, c'est ça, d'entrevoir le travail de chacun. Aucun des cinq consultants ne nous a donné trop à manger, au sens où moi j'ai senti ce que Pascal appelle de la bienveillance, moi j'ai senti un truc du genre « je crois que je sais ce que vous aimez manger les gars ». Donc, je ne vais pas vous servir autre chose que des choses que vous pourriez adorer. C'est en ça, pour moi, que c'est bienveillant. On a eu la chance que chacun soulève exactement le même problème général et qu'en plus de ça, que chacun soulève trois scènes en particulier à retravailler avec des méthodes, pour le coup, assez différentes. Mais que si on devait passer chaque méthode au crible, on n'aurait pas d'indigestion. Je pense que même ça nous permettrait de trouver précisément ce qui manquait sur ce script ou ce qui était à peaufiner sur ce script. C'est votre première collaboration ? Non, en l'occurrence, c'est loin d'être la première. On s'est rencontrés il y a une douzaine d'années maintenant, quand Cyril a réalisé Une nuit qu'il était à se morfondre, un court-métrage dans lequel j'incarnais le jeune Serge Gainsbourg. Et à partir de là, ça a été un vrai coup de foudre artistique et humain. On a continué à se suivre. Cyril m'a accompagné sur l'écriture de Windows, mon premier court-métrage. Que tu as présenté ici. Que j'ai d'ailleurs présenté ici, exactement, il y a quelques années. Et depuis maintenant un peu moins de 2 ans, on a décidé de se remettre intensément ensemble à l'écriture. Et on vient de sortir du four notre troisième scénario de long-métrage, Les Petites Ceintures étant le second. Qui est précédé d'un film qui s'appelle Fraternité, qu'on doit tourner cet hiver. Exactement, qui est en prépa. Ah, bah c'est génial. C'est génial. C'est vrai. Ouais, c'est génial. Génial.